est tellement maladroit. Il vaut mieux que tu ne prennes rien dans tes mains. Et pourquoi ça? Parce que quand tu lui donnes un coup de main pour étendre le linge, il ne reste plus que les pincettes en plastique. Non, mais c'est quoi ça? Il n'y a que toi qui la ramène, là. Oui. Félicitations, tu vas avoir des problèmes. Et nous aussi. Quelle horreur! C'était la tasse préférée de Madame Johnson. Les gars, est-ce que vous voulez savoir ce qui s'est passé avec le super pouvoir de nos filles? Alors, collectons 50 000 gemmes et écrivez dans les commentaires feu, eau, terre ou air. Et n'oubliez pas de nous suivre. Alors, le kamikaze, t'as rédigé ton testament? Qu'est-ce que t'as commencé? Je vais le recoller rapidement et il sera comme neuf. Je voulais une tasse et j'ai eu des nageoires. Bonjour les gars, aujourd'hui nous avons... Qu'est-ce que c'est? Non? Qui a fait ça? Ma tasse préférée! Je l'avais gagnée lors d'un concours! J'ai dû acheter 100 yaourts pour l'avoir! Ça n'aurait pas été moins cher d'acheter directement la tasse? Arrête de faire des mathématiques quand on est en cours de biologie! Bien! Qui a donc fait ça? Je vous le demande gentiment! Qui? Si vous ne voulez pas me le dire, c'est votre problème. Que chacun prenne une feuille double, nous allons faire un contrôle. Quoi? Mais vous ne nous avez même pas prévenus. C'est une surprise, comme celle-ci. À moins que vous ne me disiez qui est le tueur de porcelaine. Très bien. Je pense que nous allons faire une longue journée de tests pour terminer par un contrôle d'honnêteté. Madame Johnson, je peux dire quelque chose de personnel? Tu es un bon garçon, Ross. Tu as bien fait. Ne t'inquiète pas, va t'asseoir. Il vaut mieux une vérité crue qu'une sœur qui ment. Quoi? Eh bien, je... Je ne m'attendais pas à ça de ta part, Kate. Je pensais que tu avais assez de courage pour l'avouer. Quant à vous, les filles, vous n'avez absolument rien dit, ce qui fait de vous des complices. Mais ça ne fait rien. Après quelques tests, des devoirs en double, on peut rééduquer n'importe qui. Et toi, Ross, tu es un bon garçon. Tu peux faire une pause. Parce que l'honnêteté doit être récompensée. Merci. Je suis un peu gonflé. Ah, je sais pertinemment que ça vient de Sinistre Hélène. Ça a un goût bizarre. J'espère que c'est pas du détergent. Cette journée ne peut pas être pire. Ah, ah, ah. C'est pas un ballon, mais un cochon d'Inde. Est-ce que t'es toujours fâché? C'est combien? Non, je n'en ai pas besoin, reprends-le.
Pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai la frousse dès qu'on va faire un test. Tu sais que j'y suis allergique. Je ferai attention la prochaine fois. Ok? Est-ce que tu vas vraiment m'ignorer? Pourquoi es-tu comme une petite fille? Kate? Catherine? Katia? Katie? Kate! Très bien, je comprends que t'es choquée. Prépare-toi à mettre les affaires dans la glacière. Et vous aussi? Ce n'est pas grave de faire un test. On ne va plus parler pendant un siècle. Sinistre Hélène peut le faire, car on la soupçonne d'être une vampire ou une autre vermine. Les filles, hé! Les filles! Vous allez pas rester comme ça trop longtemps, je vous le dis! Je suis la Lintello, salut! Est-ce qu'on va s'embrasser? Je t'aime! Je t'aime pas! Un bol en or, des chaînes en or! Et un smoothie dans mon verre! Voilà, vous l'avez demandé! Je vais vous montrer ça! Saut périlleux au mur, saut périlleux arrière! Et ensuite, équilibre sur les mains! Vous allez voir, je vais vous montrer ça maintenant! Qu'est-ce que je dois faire pour qu'elles arrêtent de m'ignorer? C'est comme si j'étais invisible pour elles! Non mais c'est vraiment bizarre! Elles peuvent pas ne pas me voir! Est-ce que c'était une potion de Sinistre Hélène? Je commence à regretter que ce soit pas un détergent! Est-ce que ça fait de moi un moins que rien? Est-ce que vraiment personne ne peut me voir ni m'entendre? On dirait qu'on m'a mis dans la liste noire. Bien sûr, je voulais être ignorée. Mais je pense qu'il faudrait mieux aller au tableau noir que tout ça. Je ne peux plus faire chier Jolie Kate. Faire chier Julia Lintello. Faire chier Sinistre Hélène. Faire chier Stacy Platine. Je vais me moucher fort. Je suis invisible. 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 C'est vraiment balèze. Qu'est-ce que tu dis, ma sœur? Ça te dérange? Ouais, c'est vrai. Tu ne dis rien parce que tu ne me vois pas. Tu vas voir. J'espère que tu as un deuxième paquet. Mais qui le saura? J'ai plus de corps, j'ai pas besoin de tricher. Mais au fait, je n'ai pas besoin d'étudier du tout. Je suis libre. Les Avengers sont cool, mais comment pourrais-je être pire? Non, mais attendez un instant. J'ai aussi un super pouvoir. Une tenue snob n'est pas suffisante. Même en tenue snob, personne ne me verra. Un héros mystérieux? Ah ouais, c'est ça. C'est plus cool comme ça. Le héros mystérieux sauve tout le monde. Si t'es un méchant, tu auras des bonbons. Alors maintenant, je suis un vrai héros. Mais je devrais me battre. Mais ce sera pas un problème. J'ai vu tellement de films d'action. Ça fait mal à la jambe! Aïe! Je dois attendre un peu pour les combats! Aïe! 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 Mais avant de m'engager sur la voie du héros, avant de m'engager pleinement, je dois terminer quelque chose. Un mot dégoûtant pour la fin. Ouf. Kate, tu me dois un paquet de chips. Deux paquets. J'ai cru que je ne pouvais plus le supporter, j'ai failli commencer à rire. Surtout quand il a commencé sa gymnastique et fait son grand écart. Les filles, on n'en fait pas trop? Ah non,
Ce n'est même pas assez par rapport à sa stupide action. Vous avez vu? Ça ne l'a pas tourmenté longtemps. C'est pas croyable. Il a cru qu'il était un homme invisible. C'est parce que nous sommes de parfaites actrices. Enfin, surtout moi. Et s'il faisait quelque chose de vraiment stupide, il pourrait se faire du mal. Oui, on ferait bien de le surveiller, juste au cas où. C'est l'heure de la vengeance. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est quoi? Tout ça pour vos tests venues blanches? Pour toutes les tangentes? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Ross le génial, mais comment oses-tu? Quelle mollesse et quelle immodestie invisible! Vous me voyez? Bien sûr que je le peux. Et je tiens à te dire que je suis choquée. On dirait bien que t'es pas un super-héros. Vous m'avez piégé. Qui a menti en disant que c'était Kate qui avait cassé la tasse? On a été punis alors qu'on n'avait rien fait. Nous n'avons fait qu'une farce innocente. Innocente? Eh bien, je pense que nous devons rétablir la justice dans notre classe. Plus de mensonges, seulement la vérité. Surtout les notes avec les parents, c'est une question de survie. Les gars, avez-vous déjà menti? Écrivez dans les commentaires et abonnez-vous. Où vous pouvez me donner ce tueur de porcelaine? Oh! Où vous pourriez me donner ce tueur en porcelaine? De porcelaine! Donc nous allons... Mais je ne t'aime pas. Je ne peux pas regarder Julia. Allez, nous sommes d'excellentes actrices. Eh bien...